bienvenue dans ce nouveau numéro de Japan 80s. Aujourd'hui, nous allons parler de Wink. Alors, Wink est un duo, puisqu'on ne peut pas vraiment parler de groupe quand il n'y a que deux personnes, fondé début 1988 et qui est composé d'une part de Sachiko Suzuki et d'autre part de Shoko Aida. Toutes les deux ont débuté leur carrière d'abord comme mannequin pour la revue Up to Boy en 1987, à l'âge respectif de 18 et 17 ans. Wink est créé quelques mois plus tard. A la base, le duo aurait dû s'appeler Twinkle, mais les producteurs ont trouvé que ce serait difficile à prononcer, ou tout du moins à retranscrire correctement en japonais, et ils ont finalement décidé de supprimer quelques lettres, ce qui a abouti à Wink. Bah bravo, je vois que vous suivez. Leur premier single sort en avril 87 donc, Sugar Baby Love. Vous pardonnerez mon accent anglais pourri, merci. Les plus mélomanes d'entre vous auront reconnu le titre d'une chanson du groupe britannique des 70s, The Rubettes. Et pour cause, il s'agit de la cover japonaise. Et là, on tient tout de suite une particularité de Wink. Leur répertoire est composé d'un grand nombre de reprises de morceaux de pop occidental, pas forcément anglo-saxonne d'ailleurs, puisqu'elles reprendront notamment Voyage, Voyage de Desireless. Je vous ai gardé le clip en dessert pour la fin de l'émission. En fait, si on fait le bilan de leur carrière, environ 60% de leurs chansons sont des reprises. C'est d'ailleurs une cover qui a été leur plus gros succès, et ce, un peu plus d'un an après leur début. Il s'agit de Turn It Into Love de Kylie Minogue. Le titre exact en complet en japonais étant Aiga Toma Lanai, Turn Into Love. Il va servir de générique pour le drama Oikaketai no en 1988. Le single finit numéro 1 des charts 5 semaines de suite et au final s'écoulera à 650 000 exemplaires. Ensuite, pendant 2-3 ans, elles tourneront toujours autour des 300 à 400 000 ventes par single. Bon, c'est ce clip que nous allons voir maintenant. Thank you.
Vous aurez remarqué que tant Sachiko que Shoko ont l'air un peu de poupées de cire. Une poupée de son, je passerai peut-être du France Galant japonais, tu vois. Sans expression de visage marquée, un peu comme des marionnettes. Ça détonne avec les idoles classiques, toujours souriantes, joyeuses. Il faut savoir que ce n'est pas voulu. Ce n'est pas une idée marketing de leurs producteurs qui au contraire s'en désolaient. Elles étaient vraiment comme ça à l'époque. Ça a changé après. Et on peut penser que ça a pu contribuer à leur succès. Il faudra attendre le début des années 90 pour aussi les voir changer de look avec un côté davantage femme adulte sexy. En 1992, chacune des deux sort un premier album solo. Elles se diversifient également et se lancent dans le cinéma. Elles continueront néanmoins à se produire en tant que Wink jusqu'au début 96, mais le succès n'est plus du tout au rendez-vous. Leurs derniers singles se vendent péniblement à quelques milliers d'exemplaires seulement. Officiellement, à l'heure actuelle, le duo est seulement en stand-by, mais pas séparé définitivement. On peut tout de même émettre de gros doutes sur un nouvel album, même si occasionnellement on revoit à la télé le duo se recomposer le long d'une chanson. Au final, Wink aura sorti 25 singles et autant d'albums en 8 ans de carrière. Mais la moitié des albums sont des best-of, c'est quelque chose pour moi fréquemment au Japon, les fans repassent à la caisse à chaque fois. Que sont-elles devenues ? Après Wink, toutes deux ont sorti des albums photos, nous allons dire de charme. Sachiko par contre, elle a carrément tourné dans un film érotique en 2009 chez l'éditeur Muteki. Spécial dédicace à Romain. Non, je ne mettrai pas d'extrait. Sinon, elle a brièvement travaillé à la télé, puis retenté sa chance en tant qu'artiste solo en 98. Ça n'a pas marché. Quelques apparitions de ci de là dans des dramas également, mais rien de folichon. En fait, après Wink, elle n'a plus rien fait de marquant. Et quand on l'invite dans une émission, 9 fois sur 10, c'est pour parler de Wink. Shoko, elle, s'en est beaucoup mieux tirée. Elle sort en moyenne un album tous les 2 ans, mais la manie des covers ne l'a pas quittée. Notamment 2 CD de reprises d'artistes européens, dont du Patricia Gass. Ouais. C'est totalement inécoutable, car elle chante directement en français en phonétique, et on ne comprend absolument rien du tout. Elle participe aussi à pas mal d'émissions télé et a tourné dans de nombreux films et dramas. Elle est également animatrice de radio, écrit des essais, a fait du théâtre et même un peu de doublage. Bref, une carrière bien remplie et qui continue. Voilà, c'est fini pour cette fois-ci. On se quitte comme premier avec le clip de Voyage Voyage, dont le titre nippon est Eien no Lady Doll, Revoir Revoir. A bientôt j'espère et vive les années 80. Je suis